Bien, bonsoir et bienvenue pour notre quatrième épisode sur Star Wars Survivor. Enfin, Jedi Survivor. Ça risque de poser problème. Ou bien il pourrait nous aider. On s'était laissé ici. Et apparemment, il y a du monde devant. Tu veux pas d'abord aller défoncer ces mecs là? Ah, attends. Putain, mais. Il est sérieux le gros? Ils veulent jamais d'avis m'aider en fait. Ça leur fait rien. Je sais pas si ça les. Si ça les touche. J'ai pas l'impression. Bon, on va les buter hein. Putain. Oh la vache. J'essaie de comprendre un peu comment je peux jouer ça, mais c'est chaud. C'est chaud. Oh dodo. Putain, le problème c'est qu'il met une heure à esquiver. Oh aïe aïe aïe. Ma défense est tombée, Steam s'est abusé. Ah, ce qui m'énerve, rien. J'ai déjà ébuté eux là. Comme ça c'est fait. C'est quoi? On va faire ça. Voilà. C'est bon. Nickel. Putain. Vas-y, viens. Oh, les animations, elles sont tellement incroyables. On est vraiment pas dans son élément ici. Par contre, il y a des petits bugs d'éclairage, c'est bizarre. The space. Il y a un coffre. Je sais pas trop quoi c'est ça, les ballons. Est-ce que je peux éventuellement. Attends. Ça marchait comment déjà? Non, tu peux. Non, tu peux rien faire. J'imagine que c'est par là-bas. Attends, on va aller voir. Ouais, par ici, je pense. Ok, en dessous. Oh, ils étaient nombreux, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant d'ennemis. Bon, ça va, on a quand même géré, donc c'est plutôt cool. Ok, en haut. C'est vachement bien fait, je trouve. Les décors sont assez. Ça rentre bien en fait dans les murs. Même si bon, tu vois quand même qu'il faut aller là-dessus. Mais c'est quand même bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres gens là? J'ai pas l'impression. Faut aller où? Encore monter. Attention BD. Je sais pas quoi dire d'autre. Serré, je pensais que. Non, tu ne pensais pas. Tu as perçu une menace et tu y as répondu. Si l'ordre s'était remué, on n'aurait pas perdu la République. L'Empire, la nuée d'action, la moitié de la galaxie souhaite notre mort. Oui. Les chances sont contre nous. Mais elles le seront toujours, quoi qu'il arrive. Cal, le combat n'est pas forcément la solution adaptée à tous tes problèmes. Attends, on va vraiment la calmer? Ah ouais? Ce n'est pas le moment de se battre. Ok. Ouais. Ça peut me faire croire qu'il faut qu'on grimpe dessus. Oh punaise, si.
C'est incroyable. C'est incroyable. Oula, par contre. J'ai pas compris là. Ah, c'est moi qui dirige. Ok. Oh, c'est trop bien. Je pensais que c'était automatique. Ouais. C'est bon. Alors, je sais pas s'il y avait d'autres chemins où on aurait pu aller. Alors, est-ce que ça s'ouvre ici? Yes. Bah tiens, on va se reposer. Ok. Oh, j'ai bien aimé cette séquence. Courte, mais cool. D'ailleurs, j'ai un point de compétence à... ouais, vas-y, attends. On va regarder quand même. Je sais pas trop dans quoi est-ce que je pourrais le mettre. Compétence. Peut-être dans force à la limite. Ouais, je vais prendre le truc qui est là. Alors déjà, c'était quoi? Augmente le niveau de force du maximum. Ouais, vas-y. Même si en vrai, on l'utilise pas tant que ça. Hein. C'est une impression, mais j'ai l'impression que je l'utilise pas énormément la force. Ou que ça se vide pas vraiment très vite. Je vais bouger. Un des deux. Ok, là, il y a du monde. Lui, il va sûrement pas me donner un coup de boule. Incroyable. C'est vrai qu'il faut que j'utilise un peu plus cette, cette tactique. C'est plutôt bien pour les garder éloignés. Wow. Ok. Attends, eux, je sais jamais comment briser leur garde. C'est bon. Bah, comme ça, en fait. Comment je faisais monter? Non. Ah, ok, pardon. Comme par hasard, j'étais sur le mauvais côté. Ah, à la voyure. Oh, nice. Encore un autre zoo. Ok. Bah, j'imagine qu'on va au milieu. Pourquoi ils m'ont posté ici? On sait même pas ce que. Un ennemi? C'est quoi cette lame d'énergie? Incroyable. Oh, j'adore. Alors. Je sens que c'est encore une énigme. Je peux récupérer ça. Une seule manière de le savoir. Ah ah. Non. Ok. Du coup, ça ouvre là-bas. On peut aller là-bas. Merde. Putain, ils font chier. Ils font tellement mal s'abuser. Donc là, du coup, on est revenu ici. Il me faut un coup de main. Ok. J'ai eu chaud. Ça d'accord, mais il faut aller où? Oh, attends. On dirait que c'est vieux. Z pourra jeter un œil. D'accord. Est-ce qu'il faut encore le faire tourner par hasard? Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait l'oiseau. Ça a marché. Continuons d'avancer. En tant qu'il m'attaque pas, moi ça me va. Hein. Oh, attends. On peut monter? Non, pas du tout. Ouf, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Vas-y, monte. Je me demande depuis quand il était coincé dans ce truc. On dirait que cette drôle de matière peut prendre différentes formes. Espérons que la tour au sommet du complexe nous donne des réponses. Putain, c'est vrai, on a fait tout un détour du coup pour pouvoir monter. J'avais complètement oublié ça. Un coffre. Je pense que je peux sauter. Ouais. Et encore un autre oiseau. Ok. Mon pantalon. Nouvel oiseau. Quoi, attends. Juste avant d'y aller. Y'a rien. Hein. C'est quand tu veux. Oh, il y a du monde. Je t'ai trouvé, un peu du monde quand même. Il est touché. Continuez à lui
Oh la vache. Il y a un peu trop de monde dans mes vues. Nice. Putain. Bon, de toute façon, ils sont pas très forts, hein, honnêtement. Salut. Et salut. Ok, du coup, on a ouvert là. Ouais. Ouais, mais si je saute là-dedans, je vais me faire voir, non? Et vous restez ici. Et de toute façon, je pense qu'il faut aller en face. Ouais, là aussi, c'est impossible de descendre, laisse tomber. J'entends l'autre qui est en train de ronfler. C'est drôle. Attends. Il me faut une pierre, là. Où est-ce que je peux en choper une? Ah, peut-être au truc au milieu. Attends. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on ouvre cette porte. Regarde. Ça peut que être ça. Et oui. Et du coup, on va aller la mettre là-bas. Par contre... Vas-y, lance-la là-bas. Parce que... Il me semble bien que dans le dernier épisode, on pouvait pas. Putain, pourquoi il a refondu? Non! Bah attends. C'est quoi ce Vince? Ok, bon, cette fois, elle explose pas. Du moins, j'espère. Je connais ça. C'est la même technologie que celle de la salle de Z. Nickel. On n'est plus très loin. Par contre... Saute. Trop loin. ouais... Il y a un truc de l'autre côté. Ah ouais. Putain, faut le voir, hein. C'est bon. Voilà ces droïdes espions. On n'est pas les seuls à s'intéresser à ce complexe. Facile. On va appeler l'ascenseur. Alors il est déjà là? Ah ouais, il est déjà là. Fouiller l'intégralité du complexe, Bailey. Voilà notre dernière étape. Si la clé de Tanalor existe, alors elle doit être là. Et sinon, c'est que Zed a vraiment pété un câble. Oh, j'adore cette ambiance. Je crois qu'elle est mise dans un vaisseau. On va essayer avant. C'est avec moi. Toujours. Toujours. C'est reparti. Comme tu dis. Ce saut me paraît familier. Ça doit être là que Sam Tarikri avait l'intention d'envoyer Zed. La clé de Tanalor a été cachée pendant des siècles. Alors, qu'est-ce que ça va ouvrir, ça, hein? Marché. On dirait que le complexe s'active. C'est l'heure de vérité. Ouh, je sens que ça va être pas mal là-dedans.
Bienvenue à Tanalore. Ah. C'est magnifique. Oh. Rappelle-moi de nommer moi-même le prochain monde qu'on découvre. Tu t'y habitueras. Tu ne m'aimais pas trop non plus au début. Je peux encore changer d'avis. Oh. C'est difficile de croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre côté de l'abysse. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Le célèbre chevalier Jedi Dagan Gera se propose d'être mon guide dans un monde encore inconnu. Comment pourrais-je refuser? Sans ton aide, je ne serais jamais arrivé ici en un seul morceau. Oh, fais attention. Ou on pourrait croire que tu es devenu humble. Ah ouais, d'accord. Donc là, on est vraiment dedans. Par contre, il n'y a pas BD1, donc j'imagine qu'on n'a rien à récupérer. BD1. C'était BD1 ou BDE? Putain, j'ai assez trop de mémoire maintenant. La force est puissante ici. Je te l'avais dit. Nous allons construire le temple ici. Oui. C'est aussi ce que je pensais. J'allais dire, c'est bizarre, mais je suis méga grand. Mais non, en fait, j'étais sur le côté. C'est très spécial ici. Oh, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru la galaxie Santari, et il y a de nombreux mondes que la lumière des Jedi n'atteint pas. Je vais demander au Haut Conseil d'entraîner les initiés ici. Sur Tanalore? Mais elle est très difficile d'accès. Et s'il y avait un problème? Notre temple sera un bastion pour l'ordre. Ici, à la frontière galactique. L'abysse bloque les communications. Nous devrons inviter un membre du Conseil Jedi à venir en personne. Ils sont à l'intérieur depuis des heures. Les membres du Conseil ne sont pas réputés pour leur jugement hâtif. Surtout Maître Rancis. Mon duel avec le Jedi n'a pas pris si longtemps. Et pourtant, tu as gagné. Sois patient. Tu sais bien que ce n'est pas mon fort. Eh bien, tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices. J'ai foi en toi. Et le Conseil aussi. Aie confiance en leurs décisions. Qu'est-ce qu'il y a? Préviens les autres. On nous attaque. Tu n'es pas là. Tu ne devrais pas être ici. Libère-moi. S'il te plaît.
es-tu? Je t'ai vu. Moi, c'est Cal. Cal Kestis. Et tu dois être Dagan Gera? Oui, c'est moi. Tu es un Jedi? Oui. Mais les choses ont changé depuis ton départ. Un seigneur Sith a corrompu la République. Il en a fait son empire. Ils ont détruit l'ordre. Et ils traquent ceux d'entre nous qui ont survécu. Mais... tu es libre. On peut les affronter. Ensemble. Je dois retourner à Tanalore. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as atterri ici? On nous a envahis. Je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu, mais... ils étaient trop nombreux. La bataille fut terrible. Et nous n'étions pas vaincus. Pas encore. Jusqu'à ce que le Conseil Jedi donne l'ordre d'abandonner Tanalore et refuse de mener la contre-attaque. Ils ont renoncé? Oui. C'était ma découverte! Mon foyer, et ils voulaient que je fasse une croix dessus! Dagan, attends. J'ai dit non, et j'ai été trahi par celle en qui j'avais une confiance totale! Non, arrête! Qu'est-ce que t'as fait? Oh bordel, de mieux en mieux. Honnêtement, de mieux en mieux. Putain, on l'a sauvé. Et lui, oh là là. Attends. Tu veux bien repasser sur le simple là, s'il te plaît? Voilà, merci. Ah ouais, mais jamais de la vie, on va le battre en fait. Jamais de la vie. Tu n'as plus de tout dans ton sac. C'est tout. Ok. De garder un peu à distance. Oh mais jamais de la vie t'arrives à esquiver ça. Ok. Oh mais. C'est donc tout ce qu'il reste de le. Waouh. Mais il est méga chaud. Méga chaud, punaise. Oh là là. Ce misérable ordre regrettera le jour où il m'a trahi et a abandonné Tanalore. Lâche. Ouh là, en vrai, on est plutôt pas mal. Débute, non? On est honnêtement pas très mal. Et j'ai laissé mon truc là-bas, là, comme ça je peux reprendre un peu de vie. Juste laisser venir ici.
Mais d'accord, sinon je fais ça, ça marchera pas, hein, si. Ah, c'est un peu. Enfin, en fait, il faut vraiment esquiver juste les gros gros trucs. Et tu lui fais assez mal. Oh yes, let's go. Je ne retournerai jamais en prison. Tu oses me tenir tête. Arrête ! Je ne suis pas ton ennemi. Il ne reste plus que nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Aemis, je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça. Attends ! De Tanalore. Est-ce que Kree parlait de Dagan? Comment elle aurait pu confier Tanalore à quelqu'un comme lui? Oh génial, on a libéré un ennemi, c'est super. De mieux en mieux. Oh là là. Bon, en vrai ça va, le combat ça va. Il faut juste pas prendre les gros coups là, les... quand il devient tout rouge. Puis en vrai, ça passe. Ah mais attends, regarde. Oh, je suis un toto, punaise. Je suis un toto. J'ai même pas vu le truc là. Oh, pour moi, ça faisait partie du décor. Ouais. Bon, bah. Ouais, maintenant je sais. Vas-y, prends ça avant de sauter. Tanalore était censée nous rapprocher. Mais elle n'a fait que diviser notre ordre. Le conseil t'a peut-être abandonné. Mais je sais qui tu es vraiment, Dagan. Même si tu l'as toi-même oublié. Elle avait tellement foi en lui. Au moins, elle ne l'aura pas vu tomber du côté obscur. La question c'est, est-ce que ça va être lui le boss final? Non, je pense pas, il est pas assez imposant. Moi j'ai envie de revoir Vador. Pour ceux qui ont fait le premier. Je pense qu'on a tous envie de revoir Vador. Merde, merde, merde. Putain. Sympa la vue, hein, mon pote. Je me demande si Grise et Baud ont réparé le Mantis. J'ai oublié que c'était moi qui contrôlais, punaise. Pour moi, ça devrait être automatique, ça. On va passer sous l'eau. Incroyable. C'est tellement beau, en plus. Oh, je me fie un peu à mon intuition là. Je sais pas trop où aller. Évite d'aller dans le mur par contre. Ok, ça doit être là. Ouf, on est chaud. Je dois me recentrer. Rendez-vous sur le Mantis. Très bien. On a un point de compétence, mais bon, on verra ça. Putain. Il y a un truc là-bas. Ah, je peux pas y aller? Attends, non, non. Attends, j'ai envie d'y aller. Voilà. Alors, je sais pas si c'est par là pour le coup. Tanalore existe. Et c'est peut-être le dernier recoin de cette galaxie encore à l'abri de l'Empire. J'aurais aimé que tu la vois aussi, BD. Ouais. Je crois qu'on vient de trouver le moyen de sortir d'ici. T'es gentil, mais... Oh. Beau travail, BD.
J'avais cru voir un truc là-haut, non? Bon. Moi, je pense que c'est par là. Oh. Non. Doucement. Nous ne te voulons aucun mal. Ah, c'est ça ton moyen. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut passer par là? Eh oui. Oh, trop cool. Attends, là, c'est de là où on vient. Donc, c'est par ici. Là, il y a un petit truc. Encore ah, nice. Ça, on n'a pas besoin de descendre. Bah, attends, c'est par où? C'est par ici? Ah bah oui, parce que là, ouais, on pouvait pas monter ici en fait. Enfin, je pense. Ok, oh, trop bien. Trop bien. C'est génial. C'est parti. Je suis sûr qu'on peut passer ce portail avec un peu d'aide de notre nouvel ami. Ok, par là. Voilà, il y a un coffre. Donc c'est pas pareil ici. Mais ouais, j'ai pas vraiment vu de chemin. Ça paraît bizarre. Super, on y va. Est-ce qu'il sort? Ouais, il saute pas aussi haut. Non. Tu peux le faire. Ah mais d'accord. Ouais, j'ai compris. Ancel. J'ai compris. Voilà. Et du coup lui il peut pas venir. Ah si. Attends. Et bah voilà. Trop cool. Bah de toute façon en fait t'as pas le choix. Avec le haut là qui tombe. T'as pas vraiment le choix je pense. Comment ça saute? Je vais vérifier juste un peu s'il n'y a pas des 2-3 trucs à récupérer par-ci par-là. Ça peut être intéressant. Oh, regarde. La suite, c'est par là-bas, je pense. Mais là... Oh, mais non, mais c'est trop... Ah, quoique... Attends. Peut-être moyen de... Ah non. Ah ça me paraît trop loin. Ça me paraît un peu loin quand même. Je viserai ici, histoire d'être sûr. Par contre il est passé où? Ne dis pas que j'ai tué. Ben, ah mais il est en bas. Je suis débile. Moi, je suis sûr qu'il y a moyen de passer là. Ah mais il y a une tyrolienne, j'avais pas vu. Mais... Attends, pourquoi il veut pas... Pourquoi est-ce qu'il veut pas la prendre? Mais... Ah bah voilà. Non. Oh, ok, c'est bon. J'ai vu que j'avais loupé. Là, waouh, c'est nerveux. Hein. Il y a un oiseau. L'oiseau, il te ramènerait où en face? Ouais. Ah, mais c'est pas. Ah, si c'est bon. Ah, c'est passé où? Ah. Bon, j'ai enfin réussi à venir. Puis le moment où je me dis ouais j'arrête de couper, en fait au lieu de prendre l'oiseau là, j'ai essayé en fait de sauter par la tyrolienne là-dessus et ça a marché. Oh purée, je suis dégoûté. Par contre ça me. Enfin ça me ramène où ici? C'est ça que je comprends pas. Alors quel est l'intérêt de venir là?
Ce monde est bien gentil, mais... Je suis pas vraiment obligé de venir ici. En soi. Genre, je comprends pas. À quoi ça sert? Je sens que je me suis fait chier un peu pour rien quand même. Je vais reprendre la monture et je sais pas. Écoute, bon tant pis hein. Au pire je loupe un truc, mais. C'est bizarre. Ouais, il y a plein de trucs à escalader, c'est abusé. Bah ouais, regarde, on va juste faire le tour en fait. C'est ça qui me rend fou. Je comprends pas trop le délire là. Bon, même pas du tout en fait. Putain. Attends. Là aussi doit y avoir moyen de sauter en haut. Voilà. Je dois vider mon esprit. Tu vois, je sais pas du tout si on est sur le bon chemin. C'est ça qui me frustre un peu. Alors par contre là on va prendre un truc dans la survie. On va prendre quoi? Ouais. Prendre ça, limite. Ou alors. Non, attends, là on est revenu sur le sabre. Force. Ah, mais d'accord, il n'y a qu'une seule branche. D'accord, bah vas-y, hein, go, prendre ça. On récupérera un peu plus de soins. Mais ouais, c'est chelou. Là, attends, notre vaisseau il est où? Le Mantis. Il est clairement pas dans cette zone. Après, je sais pas, il y a peut-être un truc de Steam ou un truc comme ça, je sais pas. On peut toujours explorer, hein. Mais regarde, tu peux rien faire en fait. Non, mais c'est. Cette zone, c'est clairement pas pour ici, hein. C'est clairement pas pour ici. Il est passé où mon truc? Il est là. Non, il est pas là. Il est où? Non, il s'est sauvé? Attends. Il est où? Ah bon, bah vas-y, monte là-dessus. Hein. Tant pis. L'outil a dispawn. Bon. Ouais, je sais pas trop. Hein. Ici, c'est bizarre. Comme dit, peut-être qu'on reviendra plus tard. Bah ben voilà le Mantis. Mantis est visiblement de retour. Allez, merde, attends. Rejoignons-les sur l'aire d'atterrissage. Y'a un truc ici par hasard. Si jamais, pas du tout. Allez, on y va. Y'a des trucs bleus là-bas, mais bon. Bon, non, je pense qu'on a quand même l'occasion de revenir ici. Y'a encore pas mal de trucs à explorer. Par contre, dis-moi, il est où le... Ouah, le freeze. Il est passé où, le Mantis? Ça, c'est là, en face. Comment je fais pour traverser? Bah, par là. Ok. Ah, mais il faut peut-être que j'aille dans le... Dans la taverne. Merci du coup de main. Je pense. Ah non, même. Ah si. J'allais dire, ça marche même pas. Bon, c'est quand tu veux, hein, tout la porte. Ouais. Bon, ça en a mis du temps. Les pires t'avais eu. Comment va ton expédition? Des découvertes phénoménales, mon. Chaque jour, j'en apprends plus. Oh, la musique. Voyons un peu ce qu'il y a à l'étage. La musique qui tourne, je crois que c'est la musique qu'il y avait dans le premier jeu. Ça, ça me dit quelque chose. Est-ce que j'ai une tête à plaisanter? Un de nos clients l'a ramené ici. C'est la découverte du siècle. De deux siècles. C'est quoi ça? Ok.
Aquarium. Mais ça me dit toujours pas où est-ce qu'il faut que j'aille en fait. Merde, chaque fois j'appuie deux fois. Est-ce que c'est ici? Bah non, c'est censé être dehors. Est-ce que je fous quoi là, ici alors? Attends, je m'embrouille. Qu'est-ce que je fous ici? Oh, ça va pas mettre 5 minutes à s'ouvrir. Oh là là. Ouais. C'est par là. Putain, regarde, on voit le truc d'ici. Bah, il est là, le mantis. Il était pas jaune quand il est passé? C'est moi qui ai complètement rêvé. Oula. Oula. Waouh. Oh punaise. Oh, il y a des petits bugs hein. Pour le coup là, ça fait deux jours que le jeu est sorti donc je comprends pas trop. C'est quoi un espèce d'hangar ici? On va monter. Ok. Zed. T'as l'air comme neuf. En effet, ce mixolode mécanique fait de vrais miracles. Je dois savoir, as-tu trouvé où était la clé de Tanalor? C'est un peu compliqué. Mais on trouvera. Monk m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Dire que l'ordre Jedi n'est plus, cela a dû être atroce pour toi. Nous avons tous deux traversé tant de choses. Mais nous devons persévérer, Cal. Après tout, que pouvons-nous faire d'autre? C'est vrai. On a de la place pour toi. Je vais rester ici. Mais si tu as besoin de mes conseils, tu me trouveras au saloon. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Cal Kestis. J'ai trouvé quelque chose. Et quoi donc? Un autre holocron? Un Jedi. De l'époque de la Haute République dans une cuve à Bacta. Dagan Gera. Je l'ai libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a attaqué et s'est enfui avec les pierres du chaos. C'est lui qu'il recherchait. Il dit que les Jedi l'ont trahi. Et qu'il est passé du côté obscur. Ah, ça va, petit gars? Tanalor. C'est pas une légende. C'est quelque part dans l'abysse. Oh non, c'est impossible! L'abysse engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent! La République a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles. Ça explique leur complexe dans la forêt. Un havre caché que personne n'a réussi à atteindre pendant des siècles. Si tu découvrais comment franchir l'abysse, tu pourrais... disparaître. Complètement. Plus de pillards du chaos. Plus de chasseurs de primes. Plus d'empire galactique. Ah, c'est que des spéculations, mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer. Oui. Ça se pourrait, oui. Enlève tes pieds de là. Bon, moi, je retourne à la cantina. Tu sais, Grise, on aurait besoin d'un vrai pilote. Non, je sais pas, je veux dire, tu t'en sors très bien tout seul. Enfin, tu pourrais nettoyer la fourrure de Potoli de temps en temps. Tu connais mieux le Mantis que nous. Mieux que personne. Oh, Cal. Non, je regrette. Je suis trop vieux, c'est du passé maintenant. J'arrive à peine à tenir mes cartes. Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui. Mais sans toi, je sais pas si j'y arriverai. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Bon, je peux éventuellement demander... à Monk de garder un œil sur le saloon. Les doigts dans le nez. Ouais. T'es avec nous? Mais il n'y aura pas beaucoup de crédit à la clé. Cal, une aubaine pareille, ça se représentera pas. Imagine, plus besoin de vivre dans la méfiance. Un lieu sûr pour nous. Et pour les êtres qui nous sont chers. Si quelqu'un connaît un monde Jedi perdu, c'est serré. Jedi! C'est pas trop tôt. Il était grand temps que tu lui rendes visite. Bon, très bien. Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir.
Oh, c'est trop cool. Bon, toi, à l'avant-poste qui est. Ouais, ben, c'est là où on est en fait. Ok. D'accord. J'annonce auto-débloqué. Ah ouais. Ok, d'accord, très bien. Pas mal de petits trucs. Du coup, faudra aller à Jeddah. Je l'ai pas utilisé depuis la décharge sur Braca. C'était un cadeau de prof. La boîte à outils de Cordova sur Bogano. Ses affaires doivent toujours être là, à attendre. Cette plume d'oiseau chiot est censée porter chance. C'est la salière de Grise. Mais où j'ai mis le poivre? Chaque jour, je me demande si j'ai fait le bon choix. Tu vois ce cube là? Ce cube, on a passé tout le jeu à le chercher, le premier jeu. Et au final, il l'a détruit, putain. Ça te fait quoi d'être de retour sur le Mantis? Ça fait plaisir. J'ai envie de faire un curry de poisson bourrin. La cuisine a l'air en meilleur état que le reste du vaisseau, petit gars. Oui, depuis que t'es parti, je l'ai pas beaucoup utilisé. Ah bah oui, je le vois bien. Le stock d'épices a pas bougé d'un poil. Est-ce que tu t'es fait un seul plat correct ces dernières années? En cuisine, je t'arrive pas à la cheville, Grise. Et pour le pilotage, je t'arrive peut-être à l'épaule. Oui, ben c'est très gentil, mais à la première occasion, je te fais une assiette de hachis sombre de grand-mère Pailoun. Mon plat préféré. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Allez, on va peut-être save avant de partir. Et on va partir juste avant. J'ai pas de temps. Non, j'ai rien. Ok. Tu sais quoi, je vais changer C'est le moment le de truc changer du d'équipement. sabre. Peut-être, si on a deux, trois petits trucs. Ouais. Vas-y, tu peux. On va peut-être le mettre comme ça. Ça change. À ce moment-là, repasse-le comme ça. Oh, ça c'est bien. Ouais, comme ça. Là, on n'a rien de plus. Ouais. Je sais pas. Comme ça. C'est pas foufou, hein. Ok, C'est bon bon. pour celui-ci? Attends, je voulais changer la couleur. On va le passer en bleu. J'en suis plutôt fier. BD1. Y'a quoi de nouveau? Ah ouais, ça fait un petit, une petite cassette. Merde, attends, j'ai pas sectionné. Pourquoi pas? C'est drôle. Ouais. Et tu peux vraiment tout personnaliser, hein. C'est un truc de fou. Ouais, bah non, on va laisser comme ça. J'arrive pas à savoir ce qui change là. Ah si, bah, je suis coincé au milieu. Ouais, vas-y, on va le mettre comme ça. Et là, on a rien de nouveau. Prêt à Ok. leur montrer ton nouveau style, BD? Posture. Est-ce qu'on passerait pas sur le double? Pour changer. Pourquoi pas? Tu sais quoi, au pire, on a qu'à faire comme ça. De toute façon, on utilise tout le temps l'autre, donc. Voilà. Nickel. Alors. Alors, c'est qui cette Cérée qu'on va aller voir? Ma mentor. Elle m'a sauvé de l'Empire sur Braca et elle m'a fait traverser la moitié de la galaxie. On dirait que vous avez vécu pas mal de choses ensemble? C'est le cas. Ça fait un moment que je l'ai pas vue. D'ailleurs, attendez, je vous ai jamais montré la personnalisation du perso. Tu vois? C'est vrai que j'avais jamais montré ça. On n'a rien de nouveau là-dessus. Oh, comme ça, il est bien. On va le laisser comme ça. Et là, on a. Bon, on n'a rien de nouveau en vrai. Peut-être du côté des pantalons. Ouais, non. Bah, je vais le laisser comme ça. Ah, du coup, on peut choisir les planètes. Comme dans le premier. Oh, c'est un peu mieux fait. Et ben on est parti. Jeddah, vraiment? Les latéraux supportent mal le froid, tu sais. Ça doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jeddah. On va dans la ville? Non. Aux dernières nouvelles, Cérès se planque dans le désert avec des ermites bizarres. Les anachorètes. Hein? J'aurais préféré qu'elle choisisse un culte plus vivant. On capte un signal de Jeddah. C'est serré. Je l'ai prévenu en avance de notre arrivée. Je la mets sur l'holoprojecteur. D'accord.
Lolo projecteur. C'est quoi, c'est ici? Ouais. Cal Kestis, c'est un honneur. Oui, salut. C'est Rehella. Il nous tarde que vous arriviez. Toutefois, une tempête de sable fait rage actuellement. Il serait trop dangereux pour vous de vous poser ici. Comment je vous rejoins alors? Maître Junda a envoyé une escorte qui vous guidera jusqu'à nous. Quoi? Elle envoie quelqu'un d'autre? Je transmets les coordonnées du point de rendez-vous à votre pilote. C'est bon, je les ai. Débarquez avec précaution. Des patrouilles impériales ont été aperçues dans le désert. Merci pour l'info. Bon. Ils me font froid dans le dos. Je me demande quel genre de dégénéré elle va t'envoyer. Et l'Empire est là aussi. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil. Hey, mais attends, je suis pas fou, le vaisseau il est jaune, pourquoi il était bleu tout à l'heure? Tu devais pas y aller, Cal? Je voulais m'assurer que t'allais bien. Pourquoi tu crois que je vais pas bien? Tes mains tremblaient à l'atterrissage. Tu regardais mes mains pendant l'atterrissage? C'est flippant. Fais attention là-bas. Essaie pas de jouer au héros, d'accord? Grise, est-ce que tu racontes des histoires sur moi? J'ai d'autres sujets de conversation que toi, petit. Bon, il a pas dit non. Ok, alors changement d'ambiance, hein. Allons retrouver l'escorte de Céré. Le point de rendez-vous est droit devant. Ok, déjà. On est plus à la style Uncharted, là. Ah bah voilà. Voici en même temps, j'utilise pas le double saut. Faut aller où du coup, à droite ou à gauche? Attends. Une fois décédé là-bas, oh, c'est impossible. Impossible. Ok, donc c'est bien par là. Par contre, ok, pile poil. Du coup, on utilise un peu ce sabre. Ça change. Des nouveaux ennemis. Ouais, mais ça m'aide pas forcément en fait pour la suite là. Ah si. Accroche-toi, BD. Non, attends. C'est bon. On va avancer un peu et on se laissera là, je pense. Là, il faut monter. Oula. Je dois faire attention. Ça fait très Uncharted là, je trouve. Ok, allez, le petit raccourci là, parce que faire ça tout le temps, bof, hein. Une petite tyrolienne. Let's go. Jedha. Pas mal. Allons voir. Franchement, ça m'a l'air vraiment classe ici, hein. Bah, vous savez quoi, je pense qu'on va se laisser là. Je sais même pas à combien de minutes on est là. Donc, ouais, je pense que c'est le bon moment. Nouvelle planète. Prochaine vidéo, on va la découvrir un peu plus. Mais ça fait très Dune là. Allez, je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à activer la cloche pour être notifié de la suite. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.